Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kenzaku.com. Dans celle que l'on s'apprête à regarder, nous verrons proverbes, dictons et expressions françaises très très célèbres. Donc, le premier dicton avec lequel on va commencer est le célèbre dicton « à bon chat, bon rat ». Se dit quand celui qui attaque trouve enfin un adversaire capable de lui résister. Donc, cette expression remonte, l'origine de cette expression, pardon, remonte au XVIe siècle. D'accord? Et il se disait avant, sous la forme de « à bon assailleur, bon défenseur ». Le chat représentant le chasseur futé, face auquel le rat devrait s'adapter pour ne pas se laisser attraper. Donc, comme exemple, puisqu'il la mettait souvent à la porte, c'est qu'il se foutait pas mal d'elle. Eh bien, à bon chat, bon rat, elle se foutait pas mal de lui aussi. Donc, deuxième expression, « à bon mentir, qui vient de loin ». Celui qui vient d'une contrée lointaine peut, sans crainte d'être démenti, raconter des mensonges. Donc, par exemple, au 15e siècle, les troupes de Christophe Colomb, lorsqu'ils ont découvert l'Amérique, une fois de retour au Portugal, racontaient des histoires totalement extravagantes sur les Amérindiens, que les Portugais trouvaient du mal à vérifier. Donc, troisième expression, à bon vin, point d'enseigne. Se dit de ce qui est de qualité. Alors, ce qui est de qualité se recommande de soi-même. Si on dispose d'un produit de qualité, on ne va pas crier sur tous les toits qu'il est de qualité. Les gens eux-mêmes pourront le vérifier et vous feront la publicité eux-mêmes. Donc, à cœur vaillant, rien d'impossible. Avec du courage, on peut venir à bout de tout. Du courage et de la bonne intention, comme le représente sur cette image le personnage de Dragon Ball Z, Son Goku. Donc, la cinquième expression, à vieille mule, frein doré. Que signifie cette expression? On décore et embellit une vieille bête pour mieux la vendre. Se dit également des femmes âgées qui abusent d'artifices de parure et de maquillage. Lorsqu'on est vieille ou bien lorsqu'on est moche, je sais pas, il faut pas perdre son temps à déguiser cette réalité, il faut s'accepter tel qu'on est. Donc, le sixième exemple, abondance de biens ne nuit pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc qu'on accepte souvent, par mesure de précaution et de prudence, une chose dont on a déjà une quantité suffisante. Donc, la septième expression, l'air ne fait pas la chanson. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Donc, l'aspect n'est pas la réalité. Autrement dit, les apparences sont trompeuses. Donc, huitième expression, bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, l'expression « bien mal acquis ne profite jamais » signifie qu'on ne peut pas jouir en paix du bien obtenu par des moyens illégitimes. C'est-à-dire des objets volés, ou bien de la corruption, de l'usurpation. Autrement dit, ces objets-là n'ont pas la baraka. Il faut que je le baraka. Donc, neuvième expression, « bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». Mieux vaut bénéficier de l'estime publique que d'être riche. Donc, au sens propre, la ceinture dorée signifiait le sac où l'on mettait des pièces d'or et de l'argent lors du Moyen-Âge. Alors, les gens, cette expression veut dire qu'une bonne renommée vaut mieux que l'argent. Il vaut mieux d'avoir une bonne réputation que d'être riche. Dernière expression, le meilleur pour la fin. Ce que femme veut, Dieu le veut. Qu'est-ce que ça signifie? Les femmes parviennent toujours à leur fin. Donc, on va dire grâce à leur pouvoir de séduction, grâce à leurs artifices, ou bien à leur volonté d'en faire, à leur volonté de faire, pardon, ou bien d'en faire, c'est pas tellement faux. Donc, les interprétations divergent. Et donc, voilà, donc j'espère que cette vidéo a été à votre goût, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kenzaku.com. Merci.